Coco et le chaton. L'autre jour, maman est revenue du travail avec un drôle de sac. Un sac qui miaulait. Surprise, a dit maman. Un bébé chat a bondi. Oh, il est trop mignon. Coco est fou de joie et décide de l'appeler chaton. Chaton n'arrête pas de courir partout. Il joue avec la pelote de laine. Il saute sur le clavier. Il marche sur le piano. Il grimpe même au rideau et se suspend la tête en bas. Coco essaye de se mettre à l'envers, lui aussi, pour voir Chaton à l'endroit. Mais c'est difficile de tenir à l'envers. Patatras ! Coco se retrouve les fesses en l'air. Chaton fait vraiment beaucoup de bêtises. Comme foncer sur le lit de maman et papa en faisant tomber le couvre-lit, boire l'eau des fleurs et casser le beau vase, essayer d'attraper le poisson rouge et renverser l'aquarium, s'accrocher à la nappe et faire dégringoler tous les couverts. Coco et Chaton font aussi plein de choses ensemble. Ils dorment ensemble. Ils jouent ensemble. Par exemple, quand Chaton s'étire de tout son long et qu'il ressemble à un chewing-gum, Coco fait pareil. C'est agréable de s'étirer. Coco voudrait tellement emmener Chaton à la crèche. Mais ça, c'est interdit. Coco est dans son bain. Chaton se frotte contre la baignoire. Alors Coco l'attrape. Il le met dans l'eau avec le canard bleu et le bateau. Chaton pousse un cri terrible et il saute hors du bain. Tout mouillé, il ressemble à un ver de terre. Chaton court se cacher sous les coussins du canapé en miaulant très fort. Coco pleure très fort lui aussi. Maman arrive. Enfin, Coco, on ne donne pas un bain à un chat. Vite, il faut sécher Chaton. Elle prend le séchoir à cheveux. Les poils de Chaton redeviennent tout doux. Coco est sorti du bain. Il s'assoit dans son petit fauteuil. Chaton se précipite sur ses genoux et se lèche partout en ronronnant. Maman dit « Tu vois, Coco, c'est comme ça que les chats se lavent, pas en prenant un bain. » Thank you.
en vacances. C'est les vacances. La maison de Coco est juste à côté de la plage. Coco et son copain Nino font des pâtés de sable. Le sable, c'est trop bien, surtout quand il est mouillé. On peut faire des châteaux immenses avec des tours et des drapeaux pour empêcher les ennemis d'approcher. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Maman dit qu'on ne va pas retourner à la plage après le déjeuner. Coco n'est pas content. Avec Nino, ils viennent de commencer un super château. Heureusement, maman invite Nino à jouer à la maison avec Coco. Après le café, les parents vont faire la sieste. Papa a mis un DVD, mais Coco et Nino ont une autre idée. Ils prennent leur seau et courent jusqu'à la plage qui est au bout du jardin. Ils font plusieurs trajets avec les seaux pleins de sable. C'est lourd et il faut aller vite parce que le ciel est tout noir. Ça y est, c'est l'orage. Il pleut très fort. Coco et Nino ont transporté assez de sable dans le salon. Maintenant, ils font un super château. Coco rajoute un peu d'eau pour mouiller le sable et Nino met les serviettes de la salle de bain tout autour pour empêcher le château de s'écrouler. Ils sont très contents. Maman est entrée dans le salon juste à ce moment-là. Elle s'est pris les pieds dans une serviette mouillée et le château s'est tout cassé. Coco se met à pleurer très fort. Maman est furieuse. Mais vous êtes fous! Il y a du sable partout! Elle appelle papa, qui fait la grosse voix. « La pluie s'est arrêtée maintenant. Allez me rapporter ce sable sur la plage. » Coco et Nino sont tout penauds. C'est difficile de porter tout le sable du château. C'est très long aussi. Et après, maman demande qu'on l'aide à balayer. Heureusement, papa a fait des crêpes. Maman dit « Merci les garçons de m'avoir aidée. Le salon n'a jamais été aussi propre. » Thank you.
Coco a un poisson rouge qui s'appelle Ploc. Ploc tourne toute la journée dans son aquarium en se cognant le nez dans les virages. Coco trouve qu'il s'ennuie. Coco plonge sa main dans l'eau. Il essaie d'attraper Ploc. Mais Ploc s'échappe tout le temps. C'est comme le savon dans la baignoire quand Coco prend son bain. À la fin, Coco attrape Ploc. Il le tient bien serré dans sa main. Il le pose par terre. Et Ploc a l'air tout content parce qu'il saute partout. Pour rigoler, Coco met Ploc dans son camion Ben et lui fait faire le tour de sa chambre très vite, en courant et en poussant des grands cris. Ploc saute toujours et parfois se retourne sur le ventre, comme les crêpes que fait maman. Ploc saute de moins en moins fort. Il ouvre la bouche et il a l'air triste. Coco le prend dans sa main et le regarde dans les yeux. Ploc est tout immobile maintenant. Maman entre dans la chambre et pousse un grand cri. Il faut tout de suite le remettre dans l'eau. Maman se précipite sur Ploc et le met très très vite dans son aquarium. Ploc remue la queue et il se remet à tourner, tout content. Ouf! Thank you.
est assis par terre. Il regarde sa maman mettre le linge dans la machine à laver. Une salopette, des chaussettes, un pull, des t-shirts, des culottes. Maman ferme la machine, elle appuie sur le bouton. Bzzz, ça se met à ronronner. Coco va dans sa chambre et ouvre son tiroir. Il sort son sweat en polaire bleu, son jogging en velours vert, sa doudoune à fermeture éclair dorée et puis tous ses pyjamas, même celui avec des étoiles. C'est lourd à porter tout ça. Coco prend le gros tas dans les bras, mais il marche sur un haut de pyjama et il tombe par terre. Tout est à recommencer. Plusieurs voyages. La machine à laver est très haute. Coco n'arrive pas jusqu'au trou. Heureusement, à côté, il y a un autre trou, celui des cabinets, où c'est très facile de mettre tous les habits. Il n'y a plus qu'à fermer le couvercle et puis à appuyer sur le bouton. Ça fait un grand bruit. Coco soulève le couvercle. Dedans, c'est bizarre et un peu dégoûtant.
Le pyjama a été aspiré par les pieds dans le trou des cabinets. Maman a poussé un grand cri quand elle est entrée dans la salle de bain. Coco a eu peur. Finalement, maman et Coco ont éclaté de rire. Tant pis pour le pyjama étoile. Le doudou de Coco. Coco a un doudou tout doux. Un doudou qui se chiffonne, se caresse, se susotte, qui fait chaud dans la main, dans la poche et dans le lit. Un doudou qui enlève les mauvais rêves. Mon doudou. Doudou est le meilleur ami de Coco, encore meilleur que l'ours Paul. Quand Coco est fâché, il lui arrive de jeter Paul. Jamais il ne jette doudou. C'est mon doudou à moi. Aujourd'hui, Coco et maman prennent le train pour aller voir mamie. Coco a préparé son sac bleu. Il a mis son goûter, il a mis l'ours Paul et la voiture de pompier. Maman a ajouté le pyjama. Coco, dans le train, il y a beaucoup de monde. La dame en face sourit à Coco. Comment t'appelles-tu ? Coco ne répond pas. Elle se penche et lui tend un gâteau. Il n'en veut pas. Maman n'est pas contente. Dis merci, Coco. Pas dire merci. Coco donne un coup de pied dans le gâteau. Pas merci. Maman est très fâchée. Coco pleure un peu. Il est fatigué. Il veut son doudou. Maman ouvre le sac. Coco, on a oublié doudou. Coco pleure très fort. Maman lui donne l'ours Paul
mais il jette Paul par terre. Coco crie « Je veux doudou !»« Je veux mon doudou !» Il fait beaucoup de bruit. Il siffle. Le contrôleur demande les billets. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Billets, s'il vous plaît. Contrôle des billets. Mon doudou! Je veux mon doudou! Dans le wagon, les gens parlent fort. Des enfants rient et un garçon écoute de la musique rap. Heureusement, on n'entend pas trop la colère de Coco. Se calme. Maman regarde Coco. Il ne pleure plus. Dans ses mains, il chiffonne, il caresse, il tortille, il suçote un doudou. Ses yeux se ferment. Mais d'où vient ce doudou? C'est l'écharpe de la dame. Le train ralentit. On arrive. Coco se réveille. Il bâille. Mon gentil doudou. Il sourit. Coco à l'école. Demain, Coco va à l'école. Avec maman, il a acheté un beau cartable rouge qui se met sur le dos et se ferme avec des scratchs. À la maison, il n'arrête pas de jouer avec les scratchs. Ça fait du bruit et c'est amusant. Maman en a assez. Arrête de jouer avec ce cartable! Tu vas le casser! L'école, il faut se lever tôt. Coco veut se réveiller comme un grand, avec un vrai réveil matin. Ce soir, maman lui donne un gros réveil en forme de grenouille. Quand elle a fini de raconter l'histoire et chanter la chanson, elle met le réveil grenouille. Coco est fière d'aller à l'école. Dès que maman est partie, Coco rallume la lumière et reprend son cartable. Il
s'amuse à tremper les scratchs dans le bocal de Plock le poisson. Il trempe aussi sa manche de pyjama. Il y a de l'eau partout. Mais même mouillés, les scratchs marchent encore. La preuve. Il le fait de plus en plus fort. Maman et papa ne peuvent pas entendre. Ils bavardent au salon. Coco aime tellement son cartable qu'il veut dormir avec lui. Il le met sur son dos et il essaye de s'endormir en se mettant sur le côté. Mais ce n'est pas confortable et Coco dort très mal. Le matin, il est si fatigué qu'il n'entend pas la grenouille réveil. Heureusement, maman arrive. Allez, Coco, debout! L'école, c'est bien. Il y a plein d'amis qu'il connaît déjà et d'autres qu'il ne connaît pas. Dans la cour, Coco montre son cartable à tout le monde. Les amis font des O et des A. Oh, bien! Ouais! Crunch! Crunch! Ils sont un peu jaloux. La, 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 eux aussi. Il voudrait des scratchs. La sonnerie retentit. Vite, en rang et en silence. Tout à coup, patatras. Les cahiers, les crayons, l'ardoise, tout est par terre. La maîtresse dit « Allons bon ». Coco regarde les scratchs. Ils sont tout décollés. La maîtresse lui donne un sac en plastique pour mettre ses affaires. Coco a envie de pleurer. Il renifle très fort, alors la maîtresse lui fait un bisou. Ça va mieux. Et comme maman est très gentille, demain on va acheter un nouveau cartable. Avec une fermeture éclair. Ouais. Coco adore aider maman à faire la cuisine. Avec une cuillère en bois, il tape sur le carrelage. Cela ne fait pas un très joli bruit. Mais sur une casserole, c'est beaucoup mieux.
On peut aussi taper sur la table ou sur les verres, sur la boîte de sucre, sur les barreaux de la chaise, sur le radiateur. Quel beau tintamarre! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Coco. Il a eu une voiture de pompier, une boîte à musique. Et devinez quoi? Un tambour tout rouge et ses deux baguettes de bois brillantes. Coco prend le tambour et il tape, il tape, il tape! Ce soir, après la fête, papa raconte une histoire à Coco pour l'endormir. Il lui dit qu'autrefois, les soldats avaient des tambours. C'était même eux avec leurs tambours qui conduisaient les armées à la bataille. Ils faisaient comme ça. Coco s'endort. Il rêve. Il rêve qu'il est un soldat qui part à la bataille. Derrière lui, il y a d'autres soldats avec des trompettes. Le son des trompettes le réveille. Coco s'assoit sur son lit. Il allume la lumière. Le tambour est posé sur une chaise et il brille. Coco passe la lanière autour de son cou. Il fait le tour de sa chambre en levant les jambes comme un soldat. Il lève aussi les baguettes, bien haut, comme papa le lui a montré. Il tape très fort avec ses pieds. Et ça fait le boum du tambour et le boum des pieds. Coco arrive à le faire de plus en plus vite et de plus en plus fort. Thank you.
Brusquement, Coco s'arrête. Dans la maison, les portes claquent. Une sonnette retentit. Quel vacarme! Coco, tout content, tape de plus belle. Papa et maman entrent dans la chambre. Ils ont l'air très fâchés. Mais enfin, Coco, tu es complètement fou! Il est 1h du matin et tu as réveillé tous les voisins. Allez, file te coucher.